Il se trouve que tu es aussi un très bon connaisseur de l'Algérie. Et que tu suis cette affaire-là, oui, depuis maintenant des dizaines d'années, dans le détail, puisque tu es souvent parlé des affaires comme celle des moines de Tibérine, enfin dans des choses extrêmement précises. Tu as un réseau d'informateurs et de connaissances sur le sujet qui, je crois, est à peu près sans équivalent sur la place de Paris. Un des derniers livres que tu as suscité, je crois vraiment comme éditeur, c'est un livre très important, je trouve, parce qu'il y avait peu de choses qui faisaient une telle synthèse. C'est cette histoire de l'Algérie coloniale, parce qu'il y a eu beaucoup de choses décrites sur la guerre d'Algérie, mais finalement sur ce qui s'est passé avant la guerre d'Algérie, c'est un domaine qui a été peu, enfin, pas, à mon avis, pas, qui n'était pas suffisamment exploité. Et là, il y a une synthèse remarquable qui a été faite, et je trouve que là aussi, c'est très intéressant de constater que le livre est sous la direction de deux historiens français et deux historiens algériens, qui font aussi partie de la façon de Je voulais travailler sur ces sujets-là, c'est-à-dire pas en surplomb. Et puis je crois que la question de l'Algérie est une question importante, dont on ne parle pas assez de l'Algérie, d'une manière générale, et ça aussi c'est quelque chose que enfin, tu m'as appris et qui m'a tout de suite fait un écho considérable, c'est que la question algérienne reste une question en France, une question qui n'est pas réglée. Et on la voit en permanence ressurgir, cette question, parce que ce qu'a été l'ampleur de la colonisation, ce qu'a été l'importance de cette guerre de libération et, de la réaction de la France et du gouvernement français à cette époque, c'est des questions qui continuent quelque part à pas être réglées, à pas être traitées, et en quelque part à continuer à diffuser un poison qui ressurgit régulièrement parce que cette question n'est pas réglée dans la vie politique française. C'est évident. On sait que la question de Pétain a été réglée très tardivement du point de vue de l'État, mais la question des crimes commis par la France en Algérie, à l'époque de la colonisation, puis pendant la guerre, elle n'est pas réglée. Et elle est toujours parmi nous et elle ressurgit régulièrement, on le voit. Les épisodes les plus récents, ça a été le projet de loi qui se félicitait des aspects positifs de la colonisation française, ou si régulièrement des résurgences, en particulier dans le sud de la France, où les anciens d'Algérie, les pieds noirs jouent un rôle absolument catastrophique, où on a une espèce d'OAS finalement qui reste toujours là et qui reste toujours vivante et qui reste toujours très active dans la vie politique en quelque chose. C'est pour ça que je voulais qu'on t'invite. Que tu nous parles de l'Algérie, parce que c'est un sujet qu'il faut mettre au centre et qu'il faut reprendre en permanence. Et peut-être qu'on sera amené un jour à te réinviter, parce que c'est un sujet dont il faudra rediscuter souvent. Je te laisse la parole, François. Merci, merci Philippe. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est de savoir pourquoi on a tant de peine en France, surtout en France, plus que dans le reste du monde, à reconnaître la vraie nature du régime algérien qui s'est installé à la Libération, en 62, je voudrais dire une chose en préalable, un peu plus personnelle, pour montrer. Que j'ai compris au fil des années, en voyant beaucoup, beaucoup de gens sur l'Algérie, c'est que le regard qu'on peut porter à la fois sur la société algérienne, son régime et son histoire, il dépend totalement de la façon dont, si j'ose dire, on est entré dedans, on est tombé dedans. Selon les contacts qui vous ont les premiers introduits aux réalités algériennes. Et je constate que beaucoup de camarades français, selon les contacts qu'ils avaient pu nouer, justement, soit pendant la guerre de libération, soit après l'indépendance, ils ont un regard sur la société qui est souvent très faussée parce qu'il reflète des regards faussés qui existent en Algérie même. Bon, alors moi, comment je suis tombé là-dedans, si j'ose dire, parce que, eh ben, effectivement, c'est par les éditions, parce que j'ai commencé à travailler avec... Il n'est pas en route, attends, excuse-moi. Non, il faut l'allumer, là. Il faut l'allumer. Voilà, excuse-moi. J'ai commencé à travailler avec François Maspero en 1980, puis il m'a confié la direction de sa maison en 82 avant de partir. Et je l'ai dirigé donc jusqu'au début de cette année. Et très vite, effectivement, j'étais particulièrement sensibilisé, parce que comme militant aussi du CDTIM, du Centre d'études anti-impérialistes, j'occupais d'une collection chez Maspero, où on avait publié un livre sur l'Algérie qui s'appelait « L'Algérie en débat ». C'était déjà tout un programme. Et donc ça m'avait frappé de voir que les camarades qu'il avait fait, qui étaient beaucoup de coopérants, qui avaient été en Algérie pendant très longtemps, et qui connaissaient bien l'Algérie dite socialiste, ils avaient mis 10 ans pour accoucher de ce bouquin. Ça s'est fait dans la douleur et dans les larmes. Bon, bref. Et quand je suis arrivé aux éditions, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs auteurs algériens que François Maspero avait publiés, qui étaient souvent, le plus souvent des opposants, dont celui qui m'a le plus marqué, peut-être, parce que c'est lui qui m'a le plus appris, c'est lui qui m'a véritablement introduit dans les réalités algériennes, dont j'ignorais tout auparavant, c'est Mouloud Mamri.
le grand spécialiste de la culture berbère, et qui était, bon, qui est un intellectuel d'envergure absolument remarquable. Bon, bref, donc, ça, cette introduction-là, c'est un privilège que j'ai eu. Je m'en suis rendu compte que bien plus tard, il m'a permis de comprendre tout de suite des choses, et de comprendre notamment une chose qui m'a stupéfaite, c'est que ce que me racontaient ces auteurs-là sur la réalité de leur pays, et ce que l'image que moi j'en avais, comme beaucoup de camarades autour de moi à gauche, parce que beaucoup de 68 ans, moi j'avais 20 ans en 68, je me suis engagé au PSU à ce moment-là, la vision qu'on a, l'Algérie c'est un pays socialiste, tiers-mondiste, en avant dans les luttes anti-impérialistes, etc., etc. Et je découvrais en les écoutant une société qui était opprimée par un régime qui était de fait une dictature militaire, qu'il n'y avait aucune liberté, que l'économie était beaucoup plus en échec qu'en réussite. Bref, un décalage complet. Et j'avoue que, du coup, ça m'a vraiment préoccupé et je me suis dit, eu égard à l'engagement qui avait été celui de la maison que François Maspero avait créé en 59 pour faire connaître justement les crimes de l'armée française en Algérie, et que donc cette question de la guerre d'Algérie, cette question du rapport de la France à l'Algérie était centrale, c'était aussi le devoir de la maison d'explorer, disons, ces réalités mal connues. Voilà. Donc, et c'est ce qui donc, du coup, m'a amené effectivement à travailler beaucoup, à publier plus d'une trentaine de titres jusqu'à celui-là sur l'Algérie, son histoire, la France et l'Algérie, etc., et à m'engager aussi pendant les années de la sale guerre, à partir du début des années 90, pour dénoncer les violations des droits de l'homme en Algérie, et notamment participant à l'organisation qui s'appelle Algeria Watch, qui est créée en 97 par une amie algéro-allemande, dont je suis membre depuis, et qui fait un travail d'information remarquable, son site étant sans doute le plus visité sur les questions des violations des droits de l'homme, et même de la situation en Algérie. Et y compris en Algérie, c'est devenu une référence. Voilà. Et donc ça m'a beaucoup appris. Et tout ce que j'ai appris, évidemment, j'ai appris à travers les camarades algériens avec qui j'étais amené à discuter et qui m'ont dessillé, en quelque sorte, et qui m'ont ouvert les yeux. Donc c'est très difficile de restituer tout ça en peu de temps. Et je vais essayer d'être le plus concis possible. Et en réfléchissant sur la façon de présenter les choses, je me suis dit que la meilleure manière pour essayer de comprendre les blocages, les difficultés en France à comprendre ces réalités, c'était d'opérer de façon chronologique, en commençant par l'indépendance de l'Algérie et en distinguant à peu près 3-4 simplement, enfin 5 disons grandes phases historiques qui ont chacune leurs caractéristiques et qui permettent de... Donc pour chacune de ces phases, je ne ferai pas l'histoire, hein, parce que là-dessus je vous renvoie notamment au livre de Louis Sagoun et Jean-Baptiste Rivoire, qui s'appelle « France-Algérie, crimes et mensonges d'État », qui fait plus de 700 pages et qui relate toute l'histoire de l'Algérie indépendante, enfin de l'Algérie coloniale, mais surtout de l'Algérie indépendante de façon assez remarquable. Donc j'évoquerai simplement certains faits, à mes yeux, significatifs, disons, mais sans prétendre du tout être exhaustif, c'est absolument impossible en peu de temps. Donc la première séquence, 62-65, indépendance de l'Algérie en juillet, et là, l'ébullition, c'est les années, on peut dire, où... sous la présidence de Ahmed Ben Bella, l'Algérie est le phare du tiers-monde, la seconde La Havane, dit-on. Ahmed Ben Bella lui-même est très impliqué avec Mehdi Ben Barka et les Cubains dans la préparation de la conférence tricontinentale qui se tiendra en janvier 1966. Et puis à Alger, c'est l'ébullition de partout. Mais déjà, si j'ose dire, le verre était dans le fruit, parce que l'Algérie indépendante est née, enfin, certains d'entre vous le savent, mais c'est un coup d'État. Juillet-août 62, c'est un coup d'État de l'armée des frontières, dirigé par le colonel Boumédienne, contre le GPRA, qui va être éliminé, et les maquis de l'intérieur vont être éradiqués. Et déjà, ça va se faire au prix de centaines de morts. Je veux dire, quand ils descendent fin juillet, début août, sur Alger, en venant des frontières tunisiennes, les tanks de Boumédienne vont tuer des centaines, peut-être des milliers, ça n'a jamais été, c'est un point qui n'a jamais pu être éclairci, et pour cause d'opposants qui n'étaient pas d'accord avec la posture de l'armée des frontières. Laquelle armée des frontières, qu'on appelait comme ça, parce que pendant toute la durée de la guerre, elle s'était constituée en Tunisie, derrière la ligne Maurice, et donc elle n'avait pas participé directement à la guerre. La guerre s'était menée par les maquis, et ces maquis qui avaient été pratiquement détruits ou quasi détruits par l'armée française. Donc le gros des violences était à l'intérieur et pas à l'extérieur. Ils arrivent, ils confisquent le pouvoir. Et pourquoi confisquent-ils le pouvoir? Parce que c'est vrai qu'au sein du GPRA, on n'a pas le temps, on ne peut pas rentrer dans les détails, il y avait des conflits de pouvoir, évidemment, politiques, mais aussi parce que, comme je disais, le verre était dans le fruit de l'armée des frontières, c'était le MALG, le ministère des armements, enfin, qui était l'embryon des services secrets de la future sécurité militaire algérienne, et qui, dès sa création, à la fin des années 50, avait pour vocation de fliquer tout le monde.
Et donc cette culture du flicage, cette culture de la surveillance, elle est présente dans les cadres qui vont investir l'appareil d'État, enfin, qui vont créer l'appareil d'État, parce qu'il est, il a été, tous les Français sont partis, il n'y a plus rien, il faut tout recréer pratiquement à zéro. C'est une situation extrêmement complexe. Et dans ce tourbillon de l'été 62, se met en place, disons, voilà, une garde prétorienne qui va se cacher derrière, bien entendu, un gouvernement civil, qui est celui de Ben Bella, qui va trahir ses frères, si j'ose dire, et rallier Boumédia. Donc là, déjà, or, il faut savoir que, comment dire, la culture de la violence, de la surveillance dans l'armée, dans la LN et le FLN, elle a commencé très tôt après le début de la guerre de libération. Et le point de basculement, c'était l'assassinat de Aban Ramdane par ses pairs en décembre 57 au Maroc. Aban Ramdane, qui était peut-être le principal dirigeant politique, celui qui avait la tête très politique du mouvement de libération, il a été assassiné par les colonels, n'est-ce pas? À partir de là, tout était possible. Après, il y a eu la Bleuite, il y a eu plein d'affaires où le sang a coulé à l'intérieur même du mouvement de libération, à l'instigation de certains de ses dirigeants. Lesquels dirigeants vont se retrouver donc assez largement aux commandes, pas complètement, mais quand même assez largement aux commandes, sous la période Ben Bella. C'est l'époque aussi, alors là, on en vient au cœur du sujet, où beaucoup de Français qui avaient soutenu la guerre de libération, le FLN, notamment ceux qu'on avait appelés les porteurs de valises des réseaux Janson ou d'autres réseaux, beaucoup d'entre eux sont allés en Algérie pour aider à construire le socialisme. D'autres qui n'étaient pas du tout dans les réseaux de porteurs de valises, mais simplement qui étaient des jeunes militants de gauche engagés, ils sont allés pour aider à la construction d'un système de santé, pour aider à l'économie, pour aider à l'école, au niveau de l'éducation nationale qu'il fallait entièrement reconstruire, etc. Avec un enthousiasme formidable. Ils étaient des milliers. Ils ont été qualifiés souvent de pieds rouges. La plupart d'entre eux récusent cette appellation qui est une démarcation des pieds noirs qui, eux, étaient partis. Mais néanmoins, ils étaient extrêmement nombreux. Et donc, eux, ils vont porter un regard sur l'Algérie, sur lequel je vais revenir rapidement. Dans le même temps, et ça, c'est aussi un autre facteur qui va peser énormément sur la suite, l'État français, à travers certaines actions, reste présent sur le territoire algérien, sur deux axes qui avaient été négociés dans les clauses dites secrètes des accords d'Évian, le nucléaire et les armes chimiques. C'est-à-dire qu'ils avaient, à Évian, ils ont négocié, les Français ont négocié la possibilité de... Enfin, il y avait la question de... trois choses, pardon. Poursuivre l'exploitation du pétrole, parce que De Gaulle avait repoussé le plus loin possible la conclusion de la paix qu'il savait inévitable, du cessez-le-feu et de l'indépendance, pour essayer d'assurer l'approvisionnement pétrolier de la France, puisqu'en 1956, on avait trouvé beaucoup de pétrole dans le Sahara. Donc il fallait trouver un système, et ça a été un accord comme quoi le pétrole du Sahara serait co-exploité par l'Algérie et par la France, mais largement au bénéfice de la France. Et l'État algérien, les négociateurs d'Évian, n'avaient pas tellement les moyens à l'époque d'obtenir plus. La deuxième chose, ça a été le nucléaire, donc la première bombe atomique, essai nucléaire français dans le Sahara, janvier 60, qui vont durer jusqu'à 66-67 quand ils seront délocalisés dans le Pacifique, n'est-ce pas? Mais beaucoup d'essais nucléaires vont avoir lieu dans l'Algérie indépendante par l'armée française, de l'arme atomique, je veux dire. Et puis la base secrète B2 Namous, pour l'expérimentation d'armes chimiques par l'armée française, également dans le Sahara, qui va durer, elle, jusqu'en 78. Donc il y a un lien qui s'établit à cette période-là, enfin, je veux dire, à l'indépendance, pardon, dès mars 62, entre les deux États. Bon, voilà. Et donc ça, je l'évoque parce qu'on pourra y revenir, mais ça pesait aussi très, très lourdement dans les relations franco-algériennes des années 60 et même jusqu'au début des années, et même aux années 70. Alors, à partir de juin 65, Boumédienne décide que Ben Bella, décidément, n'est plus contrôlable. Il faut s'en débarrasser. Coup d'État. Il est arrêté. Il est emprisonné. Il va y rester très longtemps. Et voilà. Et c'est le colonel Houari Boumédienne qui va prendre la direction, la présidence de l'Algérie jusqu'à son décès. Ça marque la deuxième période à la fin de l'année 1978. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire de cette période? Déjà, la première chose, c'est que, toujours je mêle exprès les évolutions internes de l'Algérie et les relations avec la France, n'est-ce pas? Une première chose assez caractéristique, parce que celle-là, elle s'est faite tout de suite, c'est que beaucoup des pieds rouges, entre guillemets, enfin des militants et des coopérants, sont repartis après 65. Certains resteront plus longtemps, d'autres arriveront après, mais disons le gros des militants
les plus engagés anti-impérialistes qui venaient là pour construire le socialisme, ils avaient fini par comprendre ce que c'était. Le coup d'État, d'une certaine façon, avait sanctionné le fait qu'ils avaient vu que la sécurité militaire, la fameuse sécurité militaire, sport et musique, comme on disait à l'époque, ça m'a dépassé, c'était elle qui était vraiment au cœur de l'État, même si elle n'avait pas tous les pouvoirs qu'elle acquérera par la suite. Et il y a des histoires, donc... terrible, quoi. Et donc, il rentre, mais il rentre évidemment complètement défait. Vous imaginez, quand on est jeune, quand on a 20, 25, 30 ans, et qu'on s'engage, c'est l'engagement de sa vie, pour un pays socialiste du tiers-monde, et on va refaire à cette époque, vous voyez, et qu'on voit que tout s'effondre et qu'il n'y a rien de réel dans tout ça, c'est horrible. Et j'ai découvert, moi, alors ça, c'est aussi un des trucs qui m'a beaucoup marqué dans mes carrières de publication de livres sur l'Algérie, en 2000, je ne sais plus, il y a pas si longtemps que ça, il y a 6-7 ans, j'ai publié un livre qui s'appelle « Les années pieds rouges », d'un journaliste du Monde, Catherine Simon, qui a enquêté auprès de tous ces gens qui étaient là-bas en Algérie, de gauche donc toujours. Et j'ai découvert un nombre de camarades qui étaient des camarades que moi j'avais fréquentés, connus dans les organisations d'extrême-gauche dans les années 70, qui étaient allés en Algérie, qui avaient fait passer plusieurs années avant ou après 65, même en Algérie, qui ne me l'avaient jamais dit. Jamais, jamais, jamais. Et nous, jeunes militants, incultes politiquement, qui arrivons au début à la fin des années 60 dans les organisations diverses et variées, l'Algérie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nos aînés, dont certains pourtant s'étaient battus pour l'indépendance de l'Algérie, ne nous disent rien. Dans les organisations, selon les couleurs politiques, trotskistes, maoïstes, le PSU, etc., bon, les références, souvent, c'est... Les maoïstes, ils étaient très forts pour ça, c'était la résistance. Alors voilà, on prenait le modèle des glorieux martyrs de la résistance, des militants, etc., et on va faire comme eux. Et on zappe la période 45-62 et 45-68, a fortiori. Toutes les luttes anticoloniales, tout ça, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est on soutient le Vietnam, on soutient la Palestine, mais les luttes contre l'impérialisme français qui ont eu lieu dans les colonies françaises en Algérie et en Afrique subsaharienne, sauf le CDTIM qui était mais tout petit finalement dans le cadre du PSU, puis après, ça n'existe pas. On n'en parle pas. Et donc l'Algérie, la guerre d'Algérie, on sait à peine si elle existe, mais en tout cas, il n'y a plus aucune mémoire de ça dans la gauche, de la gauche, on peut dire. Et l'Algérie indépendante, socialiste, alors là, elle disparaît des panoramas, mais complètement. Un vieux camarade du PSU que j'ai vu récemment, parce qu'on essaie de travailler là-dessus, sur ce que faisait le PSU à l'époque, me disait un truc incroyable, qu'il avait consulté toutes les collections du journal du PSU, l'hebdomadaire du PSU, Tribune Socialiste. 62-65, toutes les semaines, ou presque, il y avait un papier sur les villages autogérés, sur l'autogestion, le socialisme. 65, jusqu'à pratiquement après, plus rien, plus aucun papier d'un Tribune Socialiste, après le coup d'État. Stupéfiant. Ça disparaît des radars. Et donc là, il y a un phénomène d'amnésie dans une fraction de l'opinion, mais qui n'est pas négligeable, on peut dire, dans les années 70, qui va se mettre en place et qui est complètement lié à la profonde désillusion des fameux pieds rouges. Bon, ça, c'est un des phénomènes, c'est loin d'être le seul, mais qui a contribué à la difficulté de reconnaissance de la réalité postérieurement et surtout dans les années 90. Ensuite, cette période-là, c'est aussi une période où l'Algérie, où Boumédienne, disons, défend une politique qui reste relativement flamboyante au niveau international. 71, nationalisation des hydrocarbures, les Français sont définitivement écartés. Donc j'ai aussi publié un livre de Ossine Malti, qui est un des premiers ingénieurs de la Sonatrach, qui raconte très très bien comment ça a été vécu dans l'enthousiasme, on peut dire, cette nationalisation, et on les comprend, c'est tout à fait légitime et juste. Mais dans le même temps, c'était tout de suite, Moumédien avait compris bien entendu l'importance des hydrocarbures pour l'économie algérienne. Il avait fait beaucoup d'essais de diversification qui se révéleront, avec l'aide des fameuses écoles de Grenoble, là, des Français, qui se révéleront des échecs absolument terribles, parce que beaucoup d'argent des hydrocarbures vont aller dans les éléphants blancs, les usines qui ne servent à rien, qui en revanche ont commencé à engraisser les fournisseurs français et internationaux, ou américains et européens. Mais donc, en tout cas, il avait tout de suite compris la place centrale des hydrocarbures pour le pays. Et en même temps, Boumédienne, il faut voir que son régime, là, on peut pas... C'est trop schématique ce que je vais dire, mais il était, lui, tétanisé par les risques de se faire renverser lui-même, comme il avait renversé son prédécesseur. Donc il était totalement paranoïaque et il utilisait la sécurité militaire comme un outil de contrôle de tout. Et donc c'est là, que sous Boumédienne, que va se mettre en place le contrôle de la société du haut en bas avec les hommes de la sécurité militaire, et que cette sécurité militaire va éventuellement être utilisée pour les sales coups. Les sales coups, c'est par exemple l'élimination d'opposants historiques qui avaient été des grands...
dirigeants de la Révolution, de la guerre de libération, comme ils vont être assassinés par des agents de la sécurité militaire en Europe. Les plus connus, c'est Krim Belkacem et Mohamed Kider, hein, respectivement. Enfin, d'abord Kider en 67. Comment ? Oui, il y en a eu pas mal. Il y en a eu même beaucoup. Certains connus, ceux d'autres moi pas connus. Je ne vais pas énumérer tous les noms. Il y en a eu beaucoup. Mais les plus spectaculaires, c'est les deux que je viens de citer, parce que ceux-là, quand même, c'était des filles. C'est le chef de la Révolution de 50. C'était des historiques. C'était ceux qu'on appelait, ils faisaient partie des historiques. Donc, et puis ils avaient joué un rôle très important jusqu'à la fin. Et cette période-là, donc ça c'est un des outils de domination et de pouvoir, on peut dire, de Boumediene, l'ASM. Un autre va être les premiers réseaux de corruption qui se mettent en place, parce qu'avant, bon, c'était un petit peu, sous Benbella, c'était un peu l'anarchie, l'État était encore jeune et l'économie n'était pas encore vraiment très bien constituée. Mais à partir de la fin des années 60, début des années 70, l'économie algérienne a commencé à se développer, des choses se sont faites, et il y a du business qui se fait. La production d'hydrocarbures, surtout avec les nationalisations, prend un rôle donc important. Et l'Algérie essaie de produire localement, mais elle importe toujours beaucoup. Et là, ça y est, se mettent en place des réseaux pour les médicaments, pour les céréales, pour le café, pour le sucre, etc., qui font qu'on importe ces biens-là à des firmes de négoce souvent européennes, et souvent françaises d'ailleurs, moyennant des commissions. Des commissions qui sont versées à ceux qui contrôlent au sein du pouvoir ces réseaux d'approvisionnement et qui peuvent faire déjà l'objet de rétro-commissions. Tout ça reste à une échelle contrôlée. Boumediene lui-même n'est absolument pas corrompu. Il utilise ça pour contrôler ses éventuels adversaires, comme un autre outil de pouvoir. Et une des figures tutélaires de l'époque, c'était son homme à tout faire là-dedans, c'est un ancien aussi du MALG et des réseaux pendant la guerre de libération, c'est Zegar, le fameux Messaoud Zegar, qui était l'homme qui, pour Boumediene, contrôlait ses réseaux et faisait le go-between avec les Européens et les Américains, et qui lui-même, évidemment, était un homme d'affaires, qui s'en est mis plein les poches à la fin des années 70, on estimait sa fortune à 2 milliards de dollars. Je ne rentre pas dans les détails. Enfin, donc, tout ça pour dire que... Ah oui, j'oubliais, si, un troisième élément très important, parce qu'il concerne la France, c'est le contrôle de l'immigration algérienne en France, qui se développe beaucoup après l'indépendance. Paradoxalement, il y a beaucoup de travailleurs algériens qui viennent en France, parce que c'est aussi l'apogée des 30 glorieuses, hein, ces années 60. Et donc pour Boumediene, pour le pouvoir, c'est très très important que l'opposition, qui évidemment, reprenant la vieille tradition de la Fédération de France du FLN, avait tendance à utiliser la France comme une base arrière, si j'ose dire, et notamment les immigrés comme des futurs opposants potentiels. Donc beaucoup de partis politiques d'opposition de l'époque, clandestins en Algérie ou n'existant même pas en Algérie, existent en France. Et donc il faut les contrôler. Et donc c'est l'Amicale des Algériens en Europe qui est le bras armé, on peut dire, du régime algérien en totale complicité avec le gouvernement français qui va contrôler toute l'immigration avec des gens partout. Des gens partout, et dès qu'il y a des gens qui surgissent un peu, on les repère, on les intimide, et voilà, et se met en place des procédés qui vont se généraliser dans les années ultérieures. Donc voilà un peu le tableau de ces années-là. 78, on voit la fin le décès de Wari Boumediene. Certains disent qu'il a été empoisonné, bon, on ne saura jamais. Peut-être que oui, peut-être que non. Et à partir de là s'ouvre une nouvelle période qui va durer jusqu'en 88, on peut dire, 79-88. Complètement différente de la précédente, puisque autant la précédente entendait garder, comment dire, l'image d'une Algérie socialiste et anti-impérialiste et tiers-mondiste, et il y avait de fait sur la chaîne internationale des postures qui étaient des vraies postures, on peut dire, d'opposition à certaines puissances impérialistes, aux puissances impérialistes de l'époque, ce qui n'était pas évidemment le reflet de ce qui se passait à l'intérieur, mais autant les années 79, c'est sur ce plan-là le basculement total. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est le colonel Chadli Benjedid qui est choisi comme, soi-disant, le plus ancien dans le grade le plus élevé pour occuper le poste de président de la République. Et c'est là que la façade, on peut dire, va se mettre en place. C'est une dichotomie vraiment, alors là, très très profonde qui perdure jusqu'à aujourd'hui, entre la façade politique, démocratique, entre guillemets, du régime algérien et la réalité de son pouvoir. D'une certaine façon, ça existait un petit peu avant, mais il y avait de la façade et il y avait aussi du pouvoir caché. Mais Boumediene assurait, on peut dire, une certaine unité entre ces deux niveaux-là. Tandis qu'à partir de 79, non. C'est le cénacle des généraux, enfin des colonels et des généraux. Des généraux, pardon, parce qu'avant, ouais, en Algérie, pendant l'indépendance, on n'allait jamais au-delà du grade de colonel. C'est resté pendant quelques temps, puis après,
Les militaires, ils sont ce qu'ils sont. Il fallait qu'ils deviennent généraux. Bon. Donc à la fin des années 70, il y a déjà pas mal de généraux. Et donc le Cénacle des généraux, c'est lui qui va choisir le colonel Chadli Ben Jedid parce que c'est un homme effacé qui, en fait, n'a aucune... Donc ils se disent, il ne va jamais nous marcher sur les pieds, il va nous laisser prospérer. De fait, qu'est-ce qui se passe? Là, on ne rentre pas non plus, pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais il va mettre en place une politique très libérale qui reprend toutes les préconisations du Fonds monétaire international. C'est la grande période Reagan, Thatcher, plan d'ajustement structurel, etc., etc. Et donc l'Algérie va rentrer là-dedans en libéralisant l'économie. Mais qu'est-ce que ça veut dire libéraliser l'économie en Algérie avec le passé que j'ai déjà évoqué? C'est faire exploser les réseaux de corruption. Et de fait, ils vont exploser dans les années 80. Ça commence par le général Larbi Berkhir, qui était la cheville ouvrière principale, on peut dire, à l'époque, début des années 80, du pouvoir, qui va... C'est quand même assez extraordinaire. C'est un truc pas connu du tout, non plus. Mais il va réussir à faire revenir Messaoud Zeghar, qui était exilé aux États-Unis, en lui promettant que ça allait bien se passer, etc., etc. Et il le fait arrêter, embastillé, il restera 3 ans en prison et lui vole sa fortune, 2 milliards de dollars. Allez-y. Et ça fait une accumulation primitive qui n'est pas nulle, vous voyez, pour permettre ensuite de construire d'autres réseaux et développer le dit enrichissement assez bien contrôlé. Mais évidemment, plus du tout dans la logique qui était celle de Boumediene, j'utilise la corruption comme arme de pouvoir. Là, c'est j'utilise la corruption pour m'en foutre un maximum plein les fouilles et que mon réseau et nos réseaux s'enrichissent un maximum sur le dos de l'Algérie. Donc ça, c'est la caractéristique principale de ce pouvoir. Donc la sécurité militaire là-dedans, Berkhir essaie de la mettre au pas, il y a des velléités d'indépendance, enfin, elle va être un peu bousculée pendant toutes ces années-là, parce que justement, on se met en place une situation très bizarre, quoi. En plus, dans une période difficile économiquement pour l'Algérie, hein, parce que les barils de pétrole sont bas, donc en même temps, on veut arroser la population pour essayer d'avoir la paix sociale. Enfin bref, ça devient assez difficile à contrôler. Le seul truc qui fonctionne vraiment bien, c'est les réseaux de corruption, de commission et de rétro-commission, où là, le système, on l'aura décortiqué après, je pourrais y revenir un peu. C'est grosso modo, on prend 10%, enfin en tout cas sur les importations, c'est la taxe des 10%, pour les généraux têtes de réseau. Ils en redistribuent une partie localement, ils en redistribuent une partie en rétrocommission auprès des hommes politiques français, qui vont être dans cette période-là tous tenus par les couilles, dira un journaliste anglais plus tard. Impressionnant, à gauche comme à droite, l'arrosage est généralisé. Et donc c'est là que va se nouer... Alors voilà, en fait, c'est dans ces années-là que vont se nouer une relation avec la France totalement malsaine et dont on paye jusqu'à aujourd'hui les effets. Alors il y a plusieurs facteurs qui entrent. Il y a celui que je viens d'indiquer, les commissions et les rétrocommissions qui font qu'il y a une imbrication des classes politiques françaises, et je dis bien de gauche comme de droite, qui fait que c'est un moyen de les réduire au silence par rapport aux réalités du régime algérien. Il y a déjà, ça commence aussi par un accord qu'il faut évoquer, qui est très important à mes yeux, qui est en février 82, un accord très important entre le gouvernement français et le gouvernement algérien sur l'approvisionnement en gaz de la France, de gaz algérien, avec un prix 27% supérieur au prix mondial. Ça veut dire, c'est un cadeau incroyable que Roland Dumas, François Mitterrand, fait au régime algérien, qui était, encore une fois, dans une situation un peu compliquée. Et donc, on n'a jamais eu les dessous de ce contrat, mais on peut être absolument certain qu'il y a de la commission dans l'air, et pas qu'un peu. Voilà. Donc il y a toute cette dimension proprement économique fondée sur une relation de type corrompu, de corruption, de réseau de commission. Et puis il y a la relation politico-sécuritaire. Et c'est les années où on va voir se nouer l'alliance entre la sécurité militaire et la DST, qui va prendre une dimension qui dépasse l'entendement et dont on verra les effets dans les années 90, qui dépasse l'entendement parce que c'est de la quasi-fusion entre les services de sécurité intérieure français et la sécurité militaire algérienne. En tout cas, certaines branches de cette sécurité militaire, mais contrôlées quand même au plus haut niveau. Donc, ça passe par... Alors, ça passe par plusieurs canaux que je voudrais évoquer, parce que quand même, ils sont importants, ils sont relativement peu connus. Ça passe par les hommes, bien sûr. Un homme comme Raymond Nart, par exemple, qui a été le numéro 2 de la DST, pratiquement milieu des années 80 jusqu'aux années 2000, qui est aujourd'hui à la retraite, alors que tous les numéros 1 de la DST, eux, il restait 3-4 ans, lui, il restait tout le temps. Lui, c'est un ancien de la DST pendant la guerre d'Algérie. Okay, il avait activé
contre les Fellaghas en Algérie même. Il a une culture algérienne, n'est-ce pas ? Mais solide, hein, de guerre contre-insurrectionnelle. Et il va nouer des liens extrêmement étroits avec les chefs de l'ASM des années 80, et notamment avec le futur général, à l'époque il n'est que colonel, Smaïl Lamari d'Ismaïn, qui deviendra plus tard le numéro 2 de l'ASM, et qui va lui donner, ainsi qu'à Yves Bonnet, qui est patron de la DST en France de 82 à 85, un fier coup de main quand il va y avoir les problèmes d'otages au Liban. D'abord, l'affaire de l'arrestation de Georges Ibrahim Abdallah en France à Lyon, qui se retrouve avec un passeport algérien authentique, un Libanais, les Farles, etc. Enfin, un truc très, très, très bizarre, dont on découvrira plus tard qu'en fait, c'était de fait, les Algériens l'utilisaient, c'est un Libanais, mais utilisé par les Algériens pour développer des actions terroristes un petit peu partout. Et donc, les Algériens voulaient absolument, quand les Français vont l'arrêter presque par hasard, qu'ils le libèrent. Et du coup, ça va donner lieu à des enlèvements d'otages au Liban, deux diplomates français et le fils de Gilles Perrault. Le fils de Gilles Perrault, très probablement, a été enlevé par des acteurs locaux manipulés par la sécurité militaire algérienne pour que la dite sécurité militaire algérienne puisse dire à la DST « on va vous aider à libérer votre gars », ce qu'ils vont faire au Liban. Reconnaissance éternelle. La SM nous a libéré nos otages. C'est super. Et en fait, c'était une foutue magouille pour les tenir. Bon, bref. Et après, il devait libérer Georges Ibrahim Abdallah. Pas de peau. Les Américains et les Israéliens tombent dessus. Ils disent « Ah oui, mais il nous a tué un diplomate. Il nous a tué un diplomate. » Donc, voilà, ils ne peuvent pas le libérer. Le malheureux, c'est ce qu'il a fait, très probablement, en effet. Et il est en taule jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même le plus vieux prisonnier politique de France qui doit sa situation à ses contacts avec la sécurité militaire algérienne. C'est formidable. Après survient, en septembre 86, on est toujours dans cette période-là, l'attentat de la rue de Rennes, qui fait 10 morts et des dizaines de blessés, dont on apprendra plus tard que lui, il venait pour le coup d'Iran. On a cru à un moment donné que c'était lié à l'affaire précédente, mais non. Mais là aussi, les Algériens, enfin les services algériens vont donner un fier coup de main aux services français pour essayer de résoudre ça. Et donc là, se noue dans ces années 84, 85, 86, 87, une alliance, mais vraiment, du coup, ils sont mes copains, mais plus copains que ça, il n'y a pas, quoi. Raymond Nart est le meilleur ami du monde de Smaïl Lamari, Yves Bonnet également, et des autres chefs, je ne rentre pas dans les détails, les autres chefs de la sécurité militaire. Ça, c'est une espèce de colonne vertébrale qui va doubler, en quelque sorte, l'autre colonne vertébrale qui est, elle, économique, et que j'ai évoquée auparavant à propos de la corruption. Ça finit cette période-là, en France en tout cas, ça finit jamais, mais à la fin de cette période-là, 87-88, en 87 surviennent deux événements. Le Canard publie un papier sur les hommes politiques français corrompus par le pouvoir algérien et l'ambassade d'Algérie qui distribue des enveloppes aux hommes politiques français. Ça fait tout un schprounz. Au bout du compte, tout ça va finir étouffé, mais déjà là, tout d'un coup, cette première vérité était sorti, même si les documents fournis par le Canard sont plus ou moins sujets à caution, mais ils avaient pointé quelque chose qui était vrai. Et la seconde chose qui survient, qui est un drame, qui est l'assassinat d'Ali Messili en avril 1987. Ali Messili était le bras droit de Sinaït Ahmed, le leader historique du front du FFS, qui avait été créé pratiquement à l'indépendance, en opposition avec le pouvoir. Et Ali Messili avait joué un rôle très important de rapprochement des opposants, et notamment Ahmed Ben Bella et Sinaït Ahmed, et il faisait peur au régime, qui envoie du coup un tueur à Paris, puisque Ali vivait à Paris, et qui va le tuer, tout simplement de balle dans la tête. Il va être arrêté parce qu'il va être mystérieusement dénoncé, immédiatement identifié comme l'assassin, et immédiatement renvoyé en Algérie par Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Donc Charles Pasqua, déjà, est au cœur des réseaux précédents policiers sécuritaires dont je parlais, et jusqu'à aujourd'hui, on sait maintenant qui est l'assassin de Messili, on sait où il habite à Alger, on sait tout. L'instruction reste ouverte parce que l'avocat et la femme d'Ali se battent toujours pour que la vérité soit connue un jour et la justice soit rendue. Mais néanmoins, l'État français n'a absolument rien fait, et c'est le moins qu'on puisse dire, pour faciliter cette recherche de la vérité. Et ça aussi, ça va peser, cet assassinat emblématique au cœur de Paris, boulevard Saint-Michel, pour la suite. Voilà. Donc, s'ouvre en Algérie, ça c'est une quatrième période, donc il y a la période 88-92, qui est une espèce de parenthèse très singulière et bizarre, qui commence par octobre 88, et les grandes émeutes qui vont débouler dans Alger, mais aussi dans les autres grandes villes d'Algérie. Des émeutes d'une grande violence, enfin d'une grande violence, plutôt mobilisation énorme de la jeunesse, et qui vont être réprimés avec une brutalité, une sauvagerie inouïe
par l'armée directement, sous les ordres du général Khaled Nezzar à l'époque, qui va tirer dans le tas à la mitrailleuse lourde. Ils envoient les tanks et les mitrailleuses lourdes. Et il y a au moins 500 morts et des milliers de torturés. Si la torture devient... La torture a toujours été pratiquée dans l'Algérie indépendante, toujours. C'était, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'était une des armes de pouvoir très importante, parce que la torture, ça permet de... Comment dire de casser les gens, de les briser, de les retourner, c'est pas simplement, enfin c'est surtout pas, enfin la torture pour faire avouer, c'est pas, absolument pas le problème. En revanche, la torture pour aliéner, pour briser, oui. Et donc là, c'est ce qui va se passer à octobre 88. Quelque chose de Or, ces émeutes, c'est le résultat d'une manipulation entre les clans du pouvoir. Maintenant, on le sait de façon à peu près certaine. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un clan qui voulait se débarrasser, notamment justement Belkhir et compagnie, ces militaires, enfin ces généraux dont je parlais là, qui s'enrichissaient. De certains caciques du FLN qui l'embêtaient. Et donc, une bonne façon de faire, c'était de faire des émeutes qu'on aurait plus ou moins contrôlées, et ça aurait permis de renverser le gouvernement et de repartir à nouveau frais. C'était ça l'idée. Donc, ils ont organisé les pénuries pendant l'été 92, et ce qui fait que c'était horrible, quoi, parce que les gens n'avaient plus rien à bouffer. Et donc, ils ont, effectivement, ça finit par des émeutes, ça ne pouvait pas finir autrement. Sauf que ça leur a échappé. Il y avait un ras-le-bol qui était d'une telle. Un niveau de violence qui sous-estimait, qui a donné le résultat que j'ai indiqué. Là, du coup, flottement du pouvoir, vrai flottement, et ils sont obligés d'improviser. Improviser parce qu'ils se rendent bien compte que l'ampleur du massacre, quand même, ça faisait un peu tâche au niveau international, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il n'y a pas eu tant de réprobation que ça, malheureusement, face à cette barbarie. Mais quand même, il fallait qu'ils se reconstituent. Donc ils vont en profiter pour faire ce qu'on a appelé une ouverture limitée, une démocratie contrôlée, enfin... Et il y a un changement de constitution qui survient au début 89, qui met fin au règne du parti unique, puisqu'on était en parti unique FLN depuis la libération, depuis l'indépendance, et qui va déboucher sur un gouvernement avec comme premier ministre Mouloud Amrouche, ancien colonel de l'armée, mais un gouvernement qu'on a appelé réformateur, parce que les hommes qui en étaient les responsables, les ministres, étaient pour la plupart d'entre eux des hommes extrêmement intègres qui s'étaient volontairement tenus à l'écart de toute cette dérive à la fois libérale et de corruption des années 80, et qui avaient vraiment un sens de l'État et comme souci premier de construire plus exactement, parce qu'il n'y en avait jamais eu avant, un État qui soit au service des citoyens et une économie également. Donc c'est une période très étrange quand même, avec beaucoup d'ébullition politique, avec beaucoup de mesures économiques. Donc, qui se traduit notamment par quoi ? Par quelque chose de très très important et qui va peser aussi sur les relations franco-algériennes de façon déterminante, c'est la création du Front islamique du salut qui va être autorisé en septembre 1989. Parce que, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a eu tout un courant qui s'appelait islam politique, qui a commencé à se développer dans les années 80 en Algérie, comme au demeurant dans la plupart des autres pays arabes. Ça n'était pas spécifique à l'Algérie. Ce qui était en revanche spécifique à l'Algérie, dans ce courant dit islamiste, qu'on appellera plus tard islamiste, c'est que dès le départ, il est manipulé et il est infiltré. C'est-à-dire la manipulation de l'islam, et en particulier de l'islam politique par la sécurité militaire, c'est une vieille affaire qui remonte en réalité au début des années 70. Pour ratatiner les opposants communistes clandestins paxistes, on va utiliser des petits barbus, des voyous islamistes, soi-disant, qui veulent ramener la pureté dans les universités. Donc il y a une tradition de contrôle-manipulation des groupes politiques islamistes qui est très ancienne et qui va s'affirmer dans les années 80 et qui, quand le Front islamique du salut est autorisé officiellement en vertu de la nouvelle constitution, plus tard on saura par des anciens de l'ASM que le tiers pratiquement du Majlis Echoula du FIS était des agents de l'ASM, étaient contrôlés, enfin agents directs ou contrôlés dans les mains de la sécurité militaire. Et donc déjà ça c'est quand même, ça en dit long. Alors cela dit, à l'époque évidemment on ne sait rien de tout ça et on voit simplement en France, c'est la stupéfaction. Tout d'un coup, on voit des barbus qui crient à la Wakbar, qui remplissent des stades, qui font des tirades enflammées. Et tout d'un coup, les Français disent « Mais l'Algérie, c'est un pays musulman. Ça alors ? Ça alors ?» Alors ça, c'est un choc absolument majuscule. Ça, je peux vous dire, parce que j'ai constaté ça autour de moi à l'époque. Justement, comme la vision qu'on avait, aussi bien à gauche qu'à droite en France, de l'Algérie, c'est un pays socialiste, laïque. Même si, en fait, dans la Constitution, il y avait l'islam. Même si, en 84, le gouvernement de l'époque avait adopté le code de la famille islamique le plus rétrograde pratiquement de tout le monde arabe.
Non, ça, on ne voyait pas, on ne voulait pas voir, c'est un pays laïque. Laïque, oui, comme chez nous, quoi. Comme chez nous, la séparation de l'Église et de l'État, machin, tout ça. On reprenait les vieux schémas, si j'ose dire, coloniaux. Et donc, l'islam, ça n'existe pas. Et tout d'un coup, boum, il surgit comme pas. Alors là, affolement généralisé. On avait bien... Bon, OK, en Iran, 79, 10 ans plus tôt, c'est un régime islamique qui a pris le pouvoir. Bah, après tout, pourquoi pas, l'Iran, c'est loin. Ces gens-là ont l'air sympathiques. Le chat, c'était pas vraiment top. Bon. Mais là, c'est différent. Là, ils sont à nos portes. Ils vont nous envahir. Et je me souviens, ça, c'est un truc qui m'avait aussi beaucoup marqué à l'époque. Ça, je l'avais su assez vite. 91, printemps 91, l'armée française fait des manœuvres sur la côte languedocienne. Scénario, les boat people algériens arrivent. Les islamistes ont pris le pouvoir à Alger. Et on a des quantités de boat people, comme au Vietnam, qui arrivent par dizaines de milliers sur les côtes françaises. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était les manœuvres de l'armée française. Donc, il faut réouvrir les camps qu'on avait fait pour les réfugiés espagnols, les républicains espagnols, après les camps. Enfin, bref. Mais sérieux, hein. Et ça, c'était au plus haut niveau du ministère de la Défense, avec des conseillers dont je connais certains, spécialistes de l'Algérie, qui entretenaient cette paranoïa imbécile. Bon, donc ça, c'est un événement évidemment important de cette période 88-92. Donc là aussi, je ne peux absolument pas rentrer dans les détails, si ce n'est, quoi dire, seulement les faits importants, un fait peut-être important qui le deviendra... Beaucoup plus par la suite encore, c'est septembre 90, la sécurité militaire est définitivement réformée. On écarte un général que Chadli avait mis à sa direction, le général Béchine, et la bande à Berkhir, toujours lui, remplace toutes les structures existantes de la SM, qui avaient été plus ou moins éclatées, réparties, etc., par le département de renseignement et de sécurité, le DRS, qui devient la nouvelle police, le nouveau nom de la police politique, avec différentes branches là aussi, et met à sa tête le général, est-ce qu'il est général à l'époque? Oui, je crois qu'il l'est déjà, Mohamed Medienne, dit Toufik, et comme numéro 2, Smaïn Lamari, dont j'ai parlé tout à l'heure pour ses bonnes relations avec les services français. Toufik Medienne, il faut le savoir, il est au cœur du pouvoir depuis cette période-là, et surtout depuis 92, on va y venir, il est toujours en poste aujourd'hui. C'est le plus vieux chef des services politiques, des services secrets du monde. C'est un triste record algérien, malheureusement. Ensuite, ah oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement des réformateurs entreprendre une série de réformes très utiles, notamment la possibilité de créer des syndicats autonomes. C'est grâce à des lois qu'ils avaient adoptées en 90 qu'aujourd'hui, il y a encore une résistance de ces syndicats autonomes de la fonction publique, qui est peut-être le seul îlot qui perdure de résistance sociale dans le pays. Et il va surtout aussi s'attaquer au circuit de corruption dont je parlais tout à l'heure, et notamment en commençant par le sucre. Et là, le sucre, ils retrouvent les contrats, ils font un boulot absolument remarquable, enfin, les camarades qui s'en sont occupés, et qui sont des bons amis, ils vont mettre au jour le montant des commissions, qui a versé quoi, quelle société française, à qui, comment, etc. Alors ça, c'était pas possible. Ça, c'était simplement pour le pouvoir de l'ombre, le pouvoir de l'État profond, comme on dit, tout simplement pas possible. Donc en avril 91, le DRS, déjà maintenant, ça y est, va manipuler les islamistes, qui sont très cons. Enfin, on peut dire les chefs islamistes, ce n'est pas des fins politiques, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la plupart d'entre eux, en tout cas les deux principaux, Abbassi Mamani et Ali Benhadj. Et ils vont occuper le centre d'Alger, ils vont faire une grève presque insurrectionnelle, etc., etc. Et le pouvoir va dire, ah mais attendez, l'armée va dire, mais non, ça ne va pas du tout, le gouvernement de M. Amrouche ne tient pas le pays. Et puis bref, bon, il magouille, je ne rentre pas dans les détails, on sait à peu près bien comment aussi tout ça s'est passé. C'était une manœuvre pour justifier le fait de pousser dehors ces réformateurs qui mettaient trop leur nez là où il ne fallait pas qu'ils le mettent. La fin de l'année 92... va avoir des hésitations du pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc ils mettent en place un gouvernement de façade qui n'a plus aucune velléité de rien, évidemment, sous la direction de Sid Ahmed Rosali, vieil ami aussi des Français, vieil ami qui a beaucoup d'amis en France dans les réseaux de gauche. Bon. Et finalement, ils décident, malgré tout, de maintenir l'élection législative qui est prévue. C'est au printemps 90, le FIS avait pratiquement remporté les élections municipales, en tout cas était majoritaire dans beaucoup de villes du pays. Et à la fin 92, donc il y a des tractations avec le FIS, et bon, on va faire des élections. Et d'après l'avis unanime, le premier tour des élections qui se déroule donc juste au lendemain de Noël, fin décembre... 91, je dis des bêtises, autant pour moi, excusez-moi, je me mélange. Oui, c'était le décembre 91. Bon, et il remporte de fait
le nombre de députés élus du fils au premier tour fait qu'au second tour, toutes les extrapolations disent qu'il va gagner. Il va gagner le second tour. Et donc là, panique à bord, coup d'État, le 11 janvier de 92, effectivement. Et Chadli est démissionné, entre guillemets. On lui demande de présenter sa démission. On se met en place un haut comité d'État composé de ceux qu'on appellera les généraux janviéristes. Pas tous, d'ailleurs, mais en tout cas, certains d'entre eux, plus quelques civils pour faire joli de façade. Et là commence la répression, parce que, évidemment, c'est l'armée qui tient tout. Le général Mohamed Lamari, à l'époque, et le général qui commande l'état-major, et le général Khaled Nezar, qui est ministre de la Défense, et le général Toufik Médiane, chef du DRS, c'est eux, Esmaïn Lamari, le noyau dur du coup d'État, c'est eux, les janviéristes, c'est eux, plus quelques autres. Mais ils ne sont pas très sûrs d'eux. Et donc, ils ne sont pas très sûrs d'eux, parce que d'une part, ils ne sont pas sûrs d'être suivis par toute l'armée dans la répression qu'ils entendent engager pour éradiquer l'islamisme, puisque c'est leur objectif. Et ils ne sont pas très sûrs d'eux non plus en direction de la société civile, comme on dit, où certes, ils ont des soutiens des éradicateurs furieux, comme on les a appelés assez vite, mais qui sont très minoritaires. Ces gens-là n'ont eu que 2 ou 3% de résultats, de vote aux élections. Donc la majorité du pays, il y a une très forte minorité, 34% à peu près, le tiers environ, qui a voté islamiste, et puis beaucoup d'autres qui n'ont tout simplement pas voté, mais qui se reconnaissent ni dans les uns ni dans les autres, n'est-ce pas ? Ou aussi il y a le FFS, mais qui occupe une place, mais en tout cas pas très grande, mais beaucoup plus grande que ceux des petits partis dits, comme le RCD ou d'autres, dits éradicateurs. Donc, comme ils ne sont pas sûrs d'eux, ils vont lancer une première phase de répression avec des caractéristiques très particulières. Dont l'objectif va être de faire basculer une partie de l'opinion dans leur camp et d'éliminer les ennemis les plus dangereux qui sont certains islamistes. Donc la première chose qu'ils font, c'est rafler de façon un peu, tous azimuts, plus de 15 000 militants islamistes, ou supposés tels. Certains ne l'étaient pas du tout, d'autres l'étaient, effectivement, et ils les envoient dans les camps du Sud, dans des camps vraiment formidables, à côté de Reagan, qui était un des centres d'essai, notamment, il y en avait un à côté de Reagan, un des centres d'essai nucléaire, donc radioactif, donc vraiment très bon pour la santé. Enfin bref, donc dans des conditions absolument horribles, tout ça, on a eu aussi pas mal de témoignages postérieurs qui raconteront ce qui s'est passé là. Mais évidemment, ça, c'est une espèce de terreur, puisque c'est des arrestations parfaitement illégales, même si l'état de siège est instauré dès le mois de février, même s'il y a un semblant de vernis juridique et légal qui est mis en place pour justifier la répression, il y a aussi beaucoup de répression illégale et d'action clandestine. L'action psychologique, ce qu'on appelle l'action psychologique, qui est conduite notamment par le service d'action psychologique du DRS, qui est devenu quelque chose d'extrêmement important pour masquer la réalité. Donc ils vont faire deux choses. Ils vont d'une part multiplier ce qu'on appellera plus tard les assassinats pédagogiques. Donc en 92, ça va être d'abord des militaires et des policiers qui vont être assassinés par des islamistes. On ne saura jamais qui, ni quoi, ni comment, mais c'est les islamistes. Et à partir de 93, ça va être des intellectuels. Jusqu'à la fin 94, où là, il y en aura plus d'une centaine qui vont alors très bien ciblés, surtout en général les plus éradicateurs. Donc ceux-là, si c'est les éradicateurs qui sont tués, forcément, c'est les islamistes qui les ont tués. On saura plus tard que ça a été monté par le DRS et que l'objectif de ces assassinats pédagogiques, le mot est de un des intellectuels, un journaliste qui a été assassiné en décembre 94, qui s'appelait Saïd Mekbel, qui était le journaliste du Matin, et qui était un éradicateur furieux, qui faisait des tribunes très bien écrites, mais où il faut se débarrasser de la vermine islamiste, des sous-hommes, des infra-humains, des trucs d'une violence extrême, et qui avait confié de façon stupéfiante, plus d'un an avant sa mort, je pense, oui, c'était en fin 93, à une journaliste allemande qui s'appelle Monika Bergmann, avec qui il avait sympathisé, il lui avait dit « Je suis sûr que si on m'assassine demain, ça ne sera pas les islamistes, ça sera Toufik. » Ce sera Toufik, le chef du DRS. Et il a développé, il avait parfaitement compris, c'est lui qui a inventé cette histoire d'assassinat pédagogique pour faire basculer l'intelligentsia, ou ce qu'il en restait, dans le camp de l'éradication, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Plus, je passe sur les attentats, ça commence dès le mois de février, il y a un attentat au cœur d'Alger, dont on sait après que c'est un attentat attribué aux islamistes, mais qui est en fait réalisé par la sécurité, enfin le DRS. L'attentat à l'été 92 de l'aéroport d'Alger, qui est une bombe qui va faire une quantité de morts incroyable, même topo. À chaque fois, on arrête des gens. Éventuellement, on les juge et on les condamne. Mais souvent, c'est rien à voir, quoi. Bref. Donc ils vont multiplier. Donc du coup,
Et en septembre 92, il crée les GIA, groupe islamique armé. Ça va être la première apparition claire d'une opposition armée islamique, parce que le FIS, il faut le savoir, d'abord était très divisé sur l'opportunité de la lutte armée. Beaucoup de ceux qui en étaient partisans avaient quitté les rangs du FIS bien avant le coup d'État de janvier 92. Ils étaient au demeurant très très minoritaires, et en tout état de cause, le FIS était à la fois infiltré, très mal organisé et absolument infoutu de créer des maquis ou quoi que ce soit. Donc en fait, les premiers maquis qui vont apparaître, ça va être des maquis déjà du DRS, dont le premier chef, l'Ayada, on le connaît parce qu'il a été arrêté quelques mois, l'été d'après au Maroc par hasard, pas de peau, et là il a été identifié, il a fallu le changer, trouver un autre émir, enfin c'était pas très pratique quoi. Mais du coup, ils vont utiliser cet embryon pour pousser les jeunes à monter au maquis, sans savoir évidemment qu'il s'agit de faux maquis. C'est des vrais faux maquis. Et donc, ils vont utiliser la répression qu'ils mettent en place dès le printemps 92. Donc, à partir de la fin 92, on entend même il y a des jeunes qui sont arrêtés, torturés, relâchés. Et ceux qui les torturent leur disent la prochaine fois, tu y passes. Et donc, ils font passer le message. Il faut monter au maquis. Et il y a des filières pour monter au maquis qui sont d'ailleurs mises en place et contrôlées par le DRS, qui dans le même temps, c'est le début du retour de... Enfin, c'est pas le début, ça continue les retours des combattants d'Afghanistan, ceux qu'on a appelés les Afghans, qui étaient pendant la guerre d'Afghanistan des années 80, qui étaient allés combattre aux côtés des islamistes et les talibans contre l'occupation soviétique, n'est-ce pas ? Ces jeunes reviennent systématiquement. Ils reviennent alors... Ils sont d'une grande naïveté. Donc certains ont combattu, d'autres n'ont pas combattu. Certains sont restés à Peshawar, d'autres sont rentrés à l'intérieur. Il y a de tout, mais ils sont des centaines. Quand ils arrivent, ils sont arrêtés, torturés, retournés. Tous, pratiquement, tous. Voilà. Et donc, et surtout, on est encore dans la période là, avant le coup d'État, je veux dire, où on voit apparaître tout d'un coup des barbus afghans dans les rues d'Alger, qui est un accoutrement qui... Il n'existe pas en Algérie, quoi. Enfin, je veux dire. Mais ils étaient donc voilà encouragés à montrer la face méchante et vilaine de l'islam politique, qui était cet islam radical. Donc ils vont être utilisés dans les premiers groupes armés, dans les premiers GIA, qui vont épaissir leur rang avec la répression dont je parlais, où beaucoup de jeunes, effectivement, vont monter au maquis. Or, tout ça, finalement, c'est quand on revoit les choses a posteriori... c'est la mise en place de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on appellera, de ce qui était une stratégie dite anti-insurrectionnelle, et qui va en fait être directement inspirée, alors ça c'est tout à fait frappant, moi j'ai travaillé là-dessus, j'ai publié aussi des bouquins là-dessus, de la fameuse doctrine de la guerre révolutionnaire qui avait été mise au point par les officiers français en Indochine, et appliquée pendant la guerre d'indépendance algérienne, en tout cas jusqu'en 1960, en Algérie. Et c'est la doctrine de la guerre révolutionnaire, donc un des théoriciens, le principal théoricien, c'était le général, le colonel Lacheroy, pardon, qui enseignait ça à l'école de guerre à Paris, en 54, 55, 56. Ensuite, ça a été le Roger Trinquier, le colonel Trinquier, qui a publié son livre qui s'appelait « La guerre moderne », à cette période-là. C'était la doctrine officielle de l'armée française jusqu'à ce que De Gaulle l'éradique en 60, parce que ces officiers-là devenaient des OAS, des futurs putschistes, etc., etc. Eh bien, cette doctrine, sur quoi elle reposait ? Sur le fait que, un peu inspiré du maoïsme, un peu inspiré de ce qu'ils avaient vu du Viet Cong pendant la guerre d'Indochine, qu'ils avaient perdu. Donc il faut, quand l'ennemi, le guérillero, le Felaga, le Viet Cong, d'ailleurs ils appelaient les combattants algériens pendant la guerre, ils les appelaient les Viet. Pour eux c'était des Viet, pour ces officiers-là. Parce qu'ils venaient de faire de ratatiner les Viet en Indochine pendant plusieurs années. Ils sont comme un poisson dans l'eau, dans la population. Donc c'est pas compliqué, il faut retirer l'eau. Comme on retire l'eau, on pousse les gens dehors, on les regroupe dans des villages. Donc voilà, ce qui avait été fait un peu au Vietnam, ce qui va être fait pendant la guerre d'indépendance de façon massive. Il y aura plus d'1,5 million de personnes déplacées, 2 millions même, qu'on va mettre dans des villages pour retirer l'eau aux poissons. On va faire de l'action psychologique, des faux maquis. Les Français ne les avaient pas inventés, mais ils les ont systématisés. On fait des maquis faussement FLN qui vont en fait foutre la merde et qui vont pour essayer de torpiller. Il y en a certains qui sont allés jusqu'à 3 000 hommes. Hein, qui étaient, ou des gens, pareil, des Algériens croyaient rejoindre des gens qui se battaient pour la libération de leur pays. Et en fait, c'était des maquis contrôlés par les services secrets, les services de l'armée française. On fait de l'action psychologique. La France a fait la fameuse bleuite, hein, c'était où ils avaient réussi à convaincre un chef de wilaya particulièrement
enfin, qui s'est fait avoir, quoi, le colonel Ami Rouge, que ses rangs étaient infiltrés et que lui-même va tuer plusieurs milliers de ses propres combattants, parce qu'ils ont été intoxiqués par les Français. On fait des disparitions forcées, bien entendu. Il y en a eu au moins 3000 recensés pendant la guerre d'indépendance, où les gens sont enlevés, assassinés, on n'en parle plus, on ne retrouve jamais leur corps. La torture, bien entendu, pour les raisons que j'indiquais. La torture comme outil de terreur, comme outil de manipulation, comme outil de retournement, comme outil de contrôle des corps et des esprits. Donc voilà les piliers de la guerre révolutionnaire qui vont tous être mis en œuvre de façon systématique et très bien pensée par le DRS à partir de 92. Ça va se faire par étapes, mais tous les procédés que je viens d'indiquer vont être utilisés. Donc la première étape, c'était 92-93 jusqu'au printemps 94, où là, il fallait consolider en quelque sorte le camp de l'éradication, n'est-ce pas? Et ensuite, on va passer à l'éradication à grande échelle, comme disait le général Smaïn Lamari à certains de ses officiers dans une réunion au tout début, si on doit tuer 3 millions d'Algériens, on tuera 3 millions d'Algériens. Donc ils ont vraiment cette logique de dire, on va tuer tous ceux qui ne sont pas avec nous, les tuer. Et donc, après, en mars, donc le Premier ministre de l'époque, Reda Malek, dit « la peur doit changer de camp ». Parce qu'évidemment, les gens ont peur parce qu'il y a les assassinats pédagogiques attribués aux islamistes. Et ça, c'est le signal que cet individu va donner, ancien négociateur des accords d'Évian d'ailleurs, va donner pour lancer ce que nous, on a appelé Algeria Watch, la machine de mort, c'est-à-dire tout un appareil clandestin qui est appuyé sur deux piliers principaux, les 5 régiments des forces spéciales, les paracommandos, qui est le cœur, 5000 hommes à peu près, qui est le cœur de l'armée algérienne, qui comporte beaucoup plus de gens, mais ceux qui vont être engagés dans l'éradication, c'est ces régiments-là, pas beaucoup, 5. D'une part, et d'autre part, les centres clandestins de détention, de torture et d'élimination du DRS, qui sont dans chaque région militaire, et dont les deux principaux, à Blida et à Ben Aknoun à Alger, c'est là qu'il y aura des milliers de personnes qui vont être arrêtées, torturées et tuées. Et c'est là qu'il y aura le plus de disparitions forcées. Donc là se déclenche une barbarie absolument incroyable. Et les déplacements de population, comment vont-ils se faire? Non pas comme on fait les Français en créant des villages où on obligeait les villageois, où on obligeait les villageois à venir habiter. Ils vont le faire avec les massacres. Ça, c'est aussi un truc qui est dément. Et à partir de 95, et surtout de 96, on va voir apparaître ce qu'on appelle les égorgeurs, et qui sont des barbus égorgeurs, et qui commencent par le sud du centre de la Mitidja, enfin tout à fait au sud. Et ils vont monter progressivement vers le nord en égorgeant des villages ou des hameaux entiers. Évidemment, les gens, les villageois survivants et ceux qui sont derrière, ils ont peur. Ils montent, ils vont tous se réfugier à Alger, ceux qui peuvent, certains à Oran, d'autres à Constantine, etc. Et ils vont créer des bidonvilles tout autour des métropoles du Nord. Au total, on estime que c'est entre 1,3 million et 1,5 million de personnes qui vont être déplacées par cette méthode-là. Ce qui est tout à fait impressionnant. Et jusqu'à aujourd'hui, la société algérienne en paye les résultats. Il faut que je raccourcisse. Bon, alors c'est difficile. Maintenant je vais. Donc pendant cette période-là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que tous les journalistes étrangers sont invités à quitter le pays. Et ceux qui ne comprennent pas, on leur fait comprendre. Et puis éventuellement, on leur donne quelques baffes, ils se barrent. Donc c'est la guerre à huis clos. Voilà. Et du côté français se met en place aussi la désinformation. Alors ça, j'insiste un peu là-dessus, parce que la désinformation, c'est-à-dire que nous, à l'époque, très vite, on a compris ce qui se passait, et on était quand même assez nombreux, on avait beaucoup d'amis algériens qui nous renseignaient, des infos, on en avait, mais la presse française n'en faisait pas écho de ces réalités que je viens d'évoquer. Et même pire, à gauche, ceux qui étaient censés défendre les droits de l'homme, à commencer par la Ligue des droits de l'homme, combien de fois je me suis disputé avec les cadres, les dirigeants, les présidents de la Ligue des droits de l'homme, qui étaient des amis, parce que, grosso modo, tu fais le jeu des islamistes. Voilà. Et eux, ils étaient convaincus que l'éradication armée était au service de la lutte contre la barbarie islamiste. C'est-à-dire ce discours mensonger et fallacieux du service d'action psychologique avait convaincu la gauche française, parce que c'était une gauche française aussi qui était convaincue que l'Algérie était laïque, que si quelque chose avait pu rester de positif de la colonisation, c'était justement cette culture de la laïcité, etc., etc., et qu'il ignorait tout de ce que je vous ai raconté avant. Voilà. Donc après, pour aller plus vite, qu'est-ce qui se passe? La violence va arriver en France en 95. Parce que, donc je passe sur des épisodes. Donc l'autre obsession du DRS, c'est d'avoir la France avec lui. Voilà. Donc ça va commencer par
on va faire des pressions. Alors ça va, l'enlèvement des époutés de nos trois agents consulaires, ça va être co-organisé par le service de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, et Smaïn Lamari. On fait un vrai faux enlèvement, on dit c'est les barbus, la sécurité militaire les libère, la DRS les libère, et youpi, c'est formidable, vous voyez. Donc après, ça donnera l'opération Chrysanthème, ça permettra à Charles Pasqua d'arrêter les opposants islamistes du FIS, qui n'étaient pas du tout militaires, ni armés, ni terroristes, et de les expulser de France. Ensuite, il y aura l'assassinat de trois gendarmes et deux fonctionnaires début août 1994 à Alger. Ensuite, il y aura le détournement de l'avion de l'Airbus d'Air France en août 1994, l'assassinat des moines, des pères blancs de Tizi Ouzou quelques jours après, fin 1994. Au total, j'ai compté, avec l'enlèvement des moines de Tibérine en 1996, 28 ressortissants français ont été assassinés pendant cette période-là. Il n'y a pas eu une instruction antiterroriste ouverte à Paris. Alors qu'aujourd'hui, depuis des années, s'il y a le moindre Français victime, même blessé, même pas mort, d'une action terroriste à l'autre bout du monde, le parquet antiterroriste ouvre une instruction. Rien. La seule instruction ouverte est celle contre les moines, pour les moines de Tibérine, à l'initiative des familles, à partir de 2004, 12 ans après les faits. Bon, et donc... survient aussi dans ce contexte-là l'initiative de Sant'Egidio, où en janvier 1995, je dis bien, tous les opposants au pouvoir, fils compris, islamistes et laïcs, donc Front des Forces Socialistes, Parti des Travailleurs, etc., et fils, sous l'égide de la communauté catholique de Sant'Egidio à Rome, signent une plateforme, une proposition de contrat de paix, de plateforme de paix en direction du pouvoir. Donc ça, c'est un tremblement de terre. Le pouvoir rejette ça complètement, mais il panique parce que le gouvernement français et une série de gouvernements dans le monde va se montrer intéressés par cette initiative. Et Alain Juppé, qui devient Premier ministre au mois de mai, fait savoir, Urbi et Orbi, qu'il soutient cette politique, cette possibilité d'un retour à la paix en Algérie grâce à un accord qui pourrait avoir lieu entre l'opposition et le pouvoir. Et il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Donc là, ils paniquent et ils vont du coup déclencher sur la France les attentats de 1995. Et le DRS, va envoyer des agents qui vont manipuler des petits jeunes comme Khaled Kelkal et d'autres pour poser des bombes, 10 morts, ça dure jusqu'à la fin de l'année, etc. Et la France comprend très bien le message. Alors la DST s'est fait avoir, parce que des années après, quand Raymond Nart a fini par reconnaître un journaliste, mais il y a 10 ans après, hein, que oui, peut-être, éventuellement, son grand copain Smaïn Lamari avait organisé ça, il avait de la peine à le croire, quoi. Donc la DST s'est complètement fait avoir et le pouvoir était tenu. Juppé savait, beaucoup de ministres savaient, Debré savait, mais ils pouvaient rien dire. Après, ça va redoubler quand la gauche revient au pouvoir, en 1997, enfin après l'alternance. Là, il y a un épisode que je tiens à raconter parce qu'il est quand même central pour comprendre tout le dispositif, toute l'évolution. Février 1997, Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste dans l'opposition, fait une interview à Libération, je crois, dans laquelle il dit pique-pente du régime algérien. Il dit tout ce que je suis en train de dire, ou à peu près. Il sait ce qu'il fait, qu'il torture, qu'il assassine, qu'il leur fout les poches, qu'il corrompt, y compris les hommes politiques français. Il dit tout ça. Alors c'est très juste ce qu'il dit, mais évidemment, comme personne d'autre ne le disait, ça paraît extrêmement violent. Mais néanmoins, il dit la vérité. Donc ça veut dire que toute la classe politique française sait. Si M. Jospin le dit à ce moment-là, les autres savent aussi. Premier ministre en mai 1997. En septembre 1997, il est interrogé sur l'Algérie. Et la situation en Algérie, à l'heure où il y a les grands massacres. Parce que là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais malheureusement, les conflits entre le président de la République, Zeroual, et le DRS à l'époque font que le DRS organise des massacres horribles qui commencent en septembre avec des centaines de villageois, non plus des dizaines comme auparavant, mais des centaines égorgés en une nuit par des islamistes drogués dans des conditions absolument horribles sous les ordres d'émirs du DRS. Donc Jospin, il voit ça, il est interrogé sur France 3 et au Parlement Monde. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation algérienne? Qu'est-ce que peut faire la France? Ah, sur l'Algérie, je suis contraint dans mon expression. Tel quel. Ce sont ces mots. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'au mois de juin, le Quai d'Orsay a reçu des émissaires algériens qui ont dit « Si M. Jospin, votre Premier ministre, met en œuvre ce qu'il avait dit 6 mois plus tôt, enfin en février, là, il y a des terroristes, hein, on ne peut pas les retenir. Et donc, 95, ça peut recommencer. » C'est pas nous, hein, on n'y peut rien, c'est les terroristes. Donc là, les Français comprennent 5 sur 5. Et donc, ils plient. Et ils soutiennent le régime. Et ils ne répondent pas, évidemment, ils ne soutiennent pas la demande d'enquête internationale sur les massacres dont aujourd'hui toutes les grandes ONG de l'époque commencent à dire « Attendez, là, c'est quand même énorme. » Il y a plein d'indices qui montrent que c'est des massacres organisés par l'armée.
Bon, bref. Et les Français soutiennent. Donc j'arrive au bout, en fait, pratiquement, parce que malheureusement, Donc, cette parenthèse sanglante et horrible qui aura fait peut-être, on ne saura jamais, on dit 200 000 morts, c'est peut-être 150 000. Enfin, ce qu'on sait, c'est que la société algérienne, en tout cas, a été détruite. On compte officiellement, parce que 18 000 disparus, ça c'est ce que disent les familles de victimes de disparition forcée. La torture a touché énormément de familles. Donc, psychologiquement, c'est une société complètement brisée. Qui reste à la fin au début des années 2000, à partir de quand M. Bouteflika est élu en 99 comme président de la République, à l'initiative évidemment des militaires. C'est des élections truquées, évidemment, comme toutes les élections qui ont lieu depuis celle de décembre de 91, et toutes les élections successives jusqu'à la dernière qui voient leur conduction, le quatrième mandat de M. Bouteflika, alors qu'il est agonisant, il n'est plus moins rien, comme chacun sait. Toutes ces élections sont truquées, et ça, c'est vraiment la façade complètement. Donc depuis 15 ans, on peut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement une auto-amnistie, des lois successives dites de concorde civile, de réconciliation, mais qui en fait n'ont qu'un seul objectif, c'est d'éviter la justice aux criminels. Criminels, alors, des criminels islamistes, il y en a eu bien entendu, et puis évidemment les criminels responsables de la machine de mort dont j'ai parlé, au point que aujourd'hui, un des bras droit de Bouteflika, qui est là pour le surveiller, le général Tartag, c'est un des principaux, celui qui a le plus de sang sur les mains. Il dirigeait un des centres du DRS dont je parlais, celui de Ben Aknoun. Et celui-là, il vient à Paris se faire soigner régulièrement, comme tous ses collègues. Tous ces gens-là ont des hôtels particuliers à Paris, avenue Foch ou ailleurs, des restaurants, des hôtels, des grands hôtels. Ils sont là, il n'y a aucun problème, tout baigne dans l'huile, quoi. Et les Français, et en fait... Voilà. Et donc le seul moment, et je finis là-dessus, on peut dire, parce qu'on pourra, si vous voulez, peut-être discuter après et rentrer, voir certains points, mais le seul moment dans la période récente, les 30 dernières années que j'ai connues, où tout d'un coup on a eu l'impression que cette chape de plomb, cette omerta, dont vous comprenez qu'elle a de multiples raisons, que c'est l'accumulation de l'histoire, que c'est le poids des réseaux économiques, politiques, militaires qui l'explique, se lever un petit peu, ça a été quand j'ai publié le livre d'un officier qui s'appelle Habib Souhaïlia, un ancien lieutenant, qui s'appelle La Sale Guerre, en février 2001, où là, cet officier, un type absolument remarquable, je dois dire, vraiment remarquable, comme j'en ai rarement connu, parce qu'il a raconté les turpitudes auxquelles il a assisté pendant les années 92-95, parce qu'après, il a été mis en prison pendant 5 ans, avant de venir en France réfugié politique. Là, ce livre a fait un best-seller, parce que tout d'un coup, il a été poussé par Le Monde, parce que oui, pour la petite histoire, quand même, je ne peux pas résister à raconter le fait que c'est Le Monde qui l'a mis en une, et là, du coup, journal télévisé, etc. Et là, c'était parti, et ça fait, je ne sais pas, 70 000 exemplaires. Et il a été traduit dans plusieurs langues. Parce que Edoui Plenel, qui dirigeait Le Monde à l'époque, enfin, qui était rédacteur, pardon, trois ans avant, avait publié, en janvier 98, 2x2 pages de Bernard-Henri Lévy, qui était allé en Algérie pour montrer que, après les grands massacres, que non, cette armée algérienne, elle est complètement poussiéreuse, poussive, style armée rouge, complètement déglinguée, elle est absolument incapable de faire des choses pareilles, elle ne peut pas, quoi. Toute une entreprise de dédouanement organisée du régime militaire. Et qui avait été suivie d'ailleurs, même chose, par un film de Glucksmann, de la même veine, sur France 3, un mois après. Et Plenel avait appris que plus tard, qu'en fait, c'était les généraux algériens qui avaient demandé au ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, de solliciter ces deux intellectuels éminents pour qu'ils aillent là-bas. Donc il s'était fait avoir à la fois par Védrine et par les généraux algériens. Il était pas content. Donc du coup, il a choisi de mettre en avant ce livre qui a eu le succès qu'il a eu. Mais après, 11 septembre 2001, terminé. Terminé. Ça se referme. La divine surprise, on dit, les généraux algériens, parce que là, tout d'un coup, après le 11 septembre, la mobilisation antiterroriste mondiale faisait que les généraux algériens, qui étaient quand même des chefs de la lutte antiterroriste, il fallait faire une alliance avec eux. Et simplement, je voulais simplement raconter une dernière petite anecdote quand même. Une dernière petite anecdote qui résume aussi un peu tout ça, parce que qui vous montre la difficulté, pour revenir à mon titre de départ, la difficulté de comprendre la réalité du régime algérien. Qui m'avait beaucoup frappé, c'est-à-dire il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, je participais à un débat sur tout ce que je dis ce soir à Toulouse dans une librairie, à la suite de la parution d'un livre sur l'Algérie. Et pendant toute la réunion, où il y avait des clients de la librairie qui venaient, j'avais été agressé par un Algérien manifestement qui était là et qui disait « Vous êtes un menteur, vous faites le jeu des islamistes », enfin les choses habituelles auxquelles on avait été confrontés dans toutes nos interventions publiques.
Et à la fin, c'était en banlieue, le gars, il me ramène pour prendre le train à la gare de Toulouse. Et pendant le voyage, il me dit, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Je dis, bah, vous m'avez traité de menteur, de chien des islamistes, je ne sais pas quoi. Non, non, mais vous avez raison, c'est vous qui avez raison, je sais. Mais il ne pouvait pas le dire. Il était en exil depuis 1994 à Toulouse. Il avait soutenu l'éradication. Il avait compris tardivement qu'il avait soutenu les tortionnaires, les assassins, ceux qui avaient fait couler un bain de sang en Algérie. C'est sa vie qui était foutue s'il le reconnaissait publiquement. Donc il restait dans son personnage. Et dans le même ordre, un garçon que j'ai connu, alors là, c'est à la fin des années 90, pareil, un Algérien de France, cette fois-ci un Algérien de France, français, pro-éradicateur. Une engueulade, mais monumentale, dans une émission à RFI ou France Inter, je ne sais plus, enfin, sur la situation algérienne, c'était juste après les grands massacres. Une violence extrême, là aussi, il m'accuse de tout, il m'insulte, agent des islamistes, etc. Enfin, mais vraiment, c'était une violence comme je n'en ai jamais vu. Ce garçon, je le vois il y a 5 ans, 4 ans. Il avait complètement changé d'opinion. Il a pris des engagements très courageux contre l'islamophobie, donc totalement, plus du tout éradicateur. Alors je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui, mais j'ai compris, c'est toi qui avais raison. Ah bon? Et je lui dis, mais pourquoi tu m'avais agonie d'injures à l'époque quand je racontais tout ce que je... Parce que mon information, c'était les communistes algériens. Et c'est eux qui me disent, et c'était des amis. Moi, j'étais communiste. Et donc, les communistes algériens, je les croyais. Et c'est eux qui... Et je me suis rendu compte qu'après, ils mentaient. Et que toutes les accusations... Voilà. Alors, je lui dis, bah, et donc, c'est toi qui as raison. Bah, je lui dis, bah, ok, bah, dis-le. C'est un peu délicat. Et il ne l'a jamais dit. Voilà. Bon, ben, merci.